Et toi? T'aimes pas ça quand c'est trop facile? Tu recherches des nouveaux défis? Ben bonne nouvelle! On va parler de Ninja Gaiden! Salut tout le monde! Ici RestFSCG en compagnie de deux compagnons. J'ai nommé Monsieur Robert. Salut! Et j'ai nommé Monsieur Steph. Salut! Ça va bien, messieurs? Ah, t'as pas disparu, non? Non, j'ai... Des doigts. Non, j'ai pas cette puissance-là, malheureusement. Comment allez-vous, tout le monde? Ça va bien. Super. Bon, alors aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui a marqué plusieurs, d'une bonne façon, mais possiblement d'une mauvaise façon. Qui a brisé plusieurs manettes. Qui a brisé plusieurs manettes. Il y en a qui le prononcent Ninja Gaiden, il y en a qui le prononcent Ninja Gaiden, mais... C'est Gaiden, c'est pas Gaiden. Ben, okay. De toute façon, on n'est pas ici pour trancher là-dessus. Ninja Gaiden! Hey! On va parler plutôt juste du jeu. Avant de continuer avec nos souvenirs et nos anecdotes, Robert, est-ce que tu peux me faire une petite lancée d'ascenseur, un elevator pitch rapide là, c'est quoi Ninja Gaiden? Ninja Gaiden, ouais, c'est l'ascenseur. On appuie sur le bouton là. C'est un ingénieur d'ascenseur en fait. En fait, Ninja Gaiden ça raconte l'histoire de Ryu Hayabusa, qui est un ninja du clan Hayabusa, à la recherche de l'épée du clan d'Hayabusa, qui est à la recherche de l'épée, The Dragon Sword. Bref, à l'origine, c'était un jeu d'arcade, donc créé par Tecmo. Là, ça a été vraiment, aussi rip Tecmo, parce que tu n'es plus que l'ombre de toi-même, malheureusement, aujourd'hui. Et c'est sorti, donc, la mythologie s'est créée vraiment en ayant les versions NES, donc sur la Nintendo, de Ninja Gaiden 1, 2, 3. La difficulté, c'est du 2D old school, pas comme Super Mario, mais au contraire, bon, on est un ninja, on tue des monstres, il y a des sabres. Ok, un ninja, c'est le contraire d'un plombier. Un ninja, c'est sur le CV, oui, exactement. Même si le plombier, techniquement, pourrait travailler sur l'ascenseur. Mais, c'est vrai. Et voilà, donc on mettait à ton arsenal... de la magie, des spells, etc. Le jeu était très dur. Steph, toi, est-ce que tu aurais une anecdote, des souvenirs, quelque chose, qu'est-ce qui te vient à la tête quand on parle Ninja Gaiden? Ninja Gaiden, la première chose qui me vient en tête, Gaiden. Donc, ce qui me revient dans mes mémoires avec Ninja Gaiden, c'est... en fait, ça jouait dans le film The Wizard. Il y a une petite scène où ils doivent... les participants doivent avoir un certain high score pour pouvoir avancer plus loin. Look at him. He's making the jump. It's his second time through and he hasn't even taken a hit yet. He's a wizard. So, he can play Ninja Gaiden. So what? Mais en fait, c'est vraiment le niveau de difficulté qui me... Quand tu me dis Ninja Gaiden, tout en partant, la première chose qui me vient en tête, c'est les jumps par-dessus les trous, donc d'un morceau de pont à un autre. Puis il y avait toujours un aigle ou quelque chose qui passait, puis une chauve-souris qui tapait, puis tu fais ta barre d'énergie pleine, mais le bounce back d'un... Ça te fait tomber dans le vide. Tu tombais toujours dans le vide, donc le niveau de difficulté de Ninja Gaiden 1, vraiment tough. Je l'ai jamais fini, mais je me suis rendu jusqu'au dernier chef. Qui s'appelait Jackio, je trouvais ça cool comme nom de bad guy. Jackio! Donc, ouais, c'est ça. Le 1, pas mal difficile. Le 2, beaucoup plus facile. Moi, vraiment, les souvenirs que j'ai de Ninja Gaiden, c'est une musique qui est vraiment superbe. Après, est-ce que c'est parce qu'on iconique, meurt. Iconique, là. Iconique, ouais. Est-ce que c'est parce qu'on meurt souvent? Oui et non, c'est vrai que ça joue, mais les musiques sont bonnes. Le beat est bon. La preuve en est, c'est que je coûte même encore aujourd'hui des remixes, comme par exemple, qui sont faits par des groupes fans comme Mega Driver, notamment, où il y a des remixes. Power Glove. Vomitron. Ouais, vraiment avec du heavy metal un petit peu derrière. Vraiment, ça s'y prête super bien. Très bien au gym, by the way, aussi. Je trouve qu'il y a des tonnes. Il y a des trames de ce jeu-là, des remixes. Qui sont parfaites pour justement du treadmill,
ou vraiment du bench, peu importe. Là, le soundtrack, c'est un soundtrack. Le treadmill, je peux l'imaginer parce que Ryu, quand il court. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que sur treadmill, tu cours comme ça aussi? Ouais, ou, c'est ça, ça bientôt, on pourrait faire une vidéo là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Une vidéo de fitness, mais quelle bonne idée. Gagarin, pour moi, c'était vraiment c'était la première fois que je voyais ça. C'était des cinématiques, carrément. Ouais. Avant Kojima et MGS. Avant Death Stranding. Death Stranding. Des cinématiques qui donnaient vraiment un goût de film de ninja de cette époque-là. Ouais, ouais. Le style American Ninja. Ah, les films de ninja. De cette époque, donc ça une belle transition. C'était bien fait, notamment la scène du premier Ninja Gaiden où les deux sont évidemment dans... Là où il n'y a jamais personne qui coupe l'herbe, là, t'as une herbe qui est grande comme ça, les deux sautent en même temps, puis voilà. Quoi, la musique triste. Non, ça a été parodié à quelques reprises, c'est des classiques. Moi, je dirais que la première fois que j'ai vu quoi que ce soit Ninja Gaiden, c'était à l'arcade. Il y avait une arcade... à l'aéroport Mirabel, à l'époque que c'était l'aéroport principal de la ville. Il y avait une arcade là, puis il y avait une machine arcade Ninja Gaiden, puis c'est là que j'ai joué à ça la première fois, puis je me souviens, je trouvais que l'animation était bonne, tu sais, une qualité typique d'arcade, que c'était comme des années-lumière au-delà de tout ce qu'on pouvait avoir à la maison à l'époque. Mais bon, j'ai loué le jeu Ninja Gaiden au Vidéo Club à l'époque. Louer, cherchez la définition dans le dictionnaire, les amis. On a loué, j'ai loué le jeu et j'ai joué ça. Graphiquement, c'était inférieur à la version arcade, mais c'est la première fois, je me souviens, que ça m'a pas dérangé parce que tous les autres aspects du jeu étaient tellement supérieurs à la version arcade. La musique était bonne, il y avait les cutscenes, il y avait l'histoire, il y avait le challenge. Toute la présentation là était vraiment vraiment bonne. Bien, ouais. Le package était vraiment bon. Alors moi c'est ça encore, c'est ce qui me vient à la tête. Alors merci beaucoup messieurs d'avoir partagé ça avec nous. Et vous, est-ce que vous avez déjà joué à Ninja Gaiden? Avez-vous pété des manettes? Avez-vous des cauchemars encore? Laissez-nous savoir dans la section des commentaires. Je fais mon Luc une seconde. Oui. Si jamais vous voulez jouer une version moderne de Ninja Gaiden, il y a un jeu qui est sorti d'ailleurs qui est Kudos Group, studio québécois, qui est sorti de Messenger. Messenger, oui. Clairement, et eux-mêmes, ils l'avouent, tribute à Ninja Gaiden. Ouais, et d'ailleurs, si vous cherchez, ils ont carrément fait jouer Messenger au créateur de Ninja Gaiden, ce qui était vraiment cool. Et ils partagent un peu leurs impressions. Nice. Donc, si jamais vous voulez, vous pouvez bien sûr jouer à Ninja Gaiden, qui est disponible, mais aussi Messenger. On peut peut-être laisser le lien dans absolument, la description. Absolument, on va le mettre. Messenger, c'est super. Mm. C'est vraiment extrêmement recommandé. Et il y a même une version... dialogue québécois, c'est à se bidonner, c'est assez marrant quoi. Parfait, ouais. C'est bien. Alors si vous avez aimé la vidéo, faites-nous un like. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça dans le futur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci d'avoir passé du temps avec nous et sur ce, on vous dit ciao et à la prochaine. Kshin, kshin, kshin.